Bonjour gang, c'est Malibu. Aujourd'hui, ça va être le spécial Dolo sur la nourriture pas chère qu'on peut acheter au Dolo. Donc, si vous avez vraiment pas beaucoup d'argent puis que vous avez besoin de manger des trucs vraiment pas chers, donc voici des exemples de trucs, des articles à manger pas chers au Dolorama pour vous déprendre si vous avez faim ou si vous n'êtes pas fortuné, peut-être au début du mois, vous pouvez faire une épicerie cheap de trucs à manger au Dolorama en cas que dans le mois, vous allez avoir besoin de manger. En tout cas, bref, je vais vous donner des exemples de bouffe cheap. Donc, je vais aller avec la bouffe la plus cheap pour commencer. Donc, des nouilles en sachet. Donc ça, des nouilles en sachet, ça coûte seulement 25 cents. Ou 20 cents le paquet. Là, en même temps, ça, si mettons, vous pouvez avoir environ l'équivalent de 4 petits repas pour seulement 1 $ ces petites nouilles-là. Donc, il y a différentes saveurs. Il y a au bœuf, il y a au poulet, il y a aux légumes, c'est des végétariens. Moi, j'ai pris au poulet, mais il y a différentes saveurs. À part ça, sinon, il y a du macaroni au fromage. Ça, c'est même pas du Kraft, ça, c'est même pas du Kraft Dinner. C'est encore plus cheap que du Kraft Dinner. Ça, ça coûte à peu près 63 sous ou peut-être... ça, c'était vraiment pas cher. Là. Je pense que c'était 2 pour 1,50 ou je suis pas sûre. Là. Mais, ou 2 pour 1,25. En tout cas, c'était vraiment pas cher. Donc, vous pouvez acheter du macaroni au fromage original de la marque Dolorama des gourmets. C'est une autre idée de nourriture pas chère. Sinon, il y a des sachets de riz. Je pense que les sachets de riz sont à peu près 1 $. Donc, ça aussi, c'est facile. Ça, tu mets ça 1 minute au micro-ondes. Puis, c'est ça. Ça te fait une petite portion de riz. C'est pas des grosses portions, mais au moins, ça peut dépanner. Si vous voulez pas faire cuire du riz longtemps, aussi, c'est très simple. 1 minute dans le micro-ondes, puis la tête, c'est prêt. Fait que c'est simple au bout. Sinon, si vous voulez un petit dessert, 1 piastre pour une canne de fruits. Donc, cocktail aux fruits. Il y a plein de différents fruits là-dedans avec un sirop léger. Puis, c'est juste 1 piastre au Dolo. Donc, ça, si vous mangez ça comme dessert, comme déjeuner ou whatever, ça peut être cool. Sinon, il y a ça, des alphabets. Ça aussi, je pense que c'est 1,25 ou 1 $. Je ne sais pas trop. Ça aussi, c'est simple. Ouvrir la canne, puis mettre ça dans le micro-ondes quelques minutes, puis ouais, c'est ça, de une à 1 minute et demie, donc c'est vraiment pas long, puis ça fait un repas pas pire. Sinon, il y a de la soupe aussi que vous pouvez faire, de la soupe Campbell, ça aussi c'est pas cher, ça je pense c'est à peu près 1 piastre, ou je sais pas trop, là, au Dolorama, c'est pas vraiment cher, ça peut faire, c'est de la soupe aux légumes alphabet, vous pouvez faire ça sur le poêle, là. Pas très compliqué, ça peut donner quelque chose de bon aussi, un petit repas. Sinon, du chili puritain. Fait que ça aussi, si vous aimez ça, le chili, puis ça vous tente pas de passer des heures à faire du chili, ben c'est simple, vous mettez ça vous l'ouvrez, vous le videz dans le micro-ondes, ben vous le faites chauffer au micro-ondes, puis ça peut donner quelque chose de bon. Fait que ça, c'est un autre exemple de nourriture pas chère du Dolo. Sinon, il y a aussi d'autres types de nouilles en sachet. Ceux-là sont 2 pour 1 $. Fait que ça revient 50 sous pour un petit repas. Ça peut être le fun comme collation le soir aussi ou comme un dîner léger dépendant de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment pas cher. 50 sous chaque. Fait que ça, c'est un bon prix aussi. Sinon, si vous voulez faire du spaghetti, donc il y a ça. Ça, c'est du spaghetti. Ça, c'était peut-être 2 pour 1,25. Fait que avec ça, ça fait plusieurs portions, là. Puis avec une canne de spaghetti à 2 piastres. Fait qu'avec ça, vous pouvez faire probablement plusieurs portions de spaghetti. Donc, c'est vraiment pas cher. Ça peut-être, vous pouvez nourrir au moins peut-être 4 personnes avec ça, avec le pot de spaghetti, puis les deux sachets de spaghetti comme ça. Donc c'est vrai, j'en ai un deuxième ici, là.
Fait que ça, ces deux choses-là, puis le spaghetti. Vous pouvez faire des repas pas trop chers. Puis, pour finir, pour les gens qui ont la dent sucrée, puis qui aiment les feuilles d'érable, les biscuits à l'érable. Donc ça, moi j'adore les biscuits à l'érable. C'est peut-être pas bon pour la santé, mais c'est pas cher. Donc c'est à peu près 2$. Ça peut vous faire des desserts, des déjeuners, des collations. Fait. Voici des exemples de bouffe pas chère du Delos. Fait que si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, likez ma vidéo. C'est ça. Puis si vous avez d'autres idées de vidéos, vous pouvez me donner. Je suis ouverte aux suggestions. Donc, amusez-vous bien. Puis merci d'avoir écouté ma vidéo. Ciao, ciao!